Chers téléspectateurs, bonsoir et merci de vous savoir nombreux, aussi nombreux sur Téléafrica, qui n'est autre que votre chaîne préférée. Aujourd'hui, une session très importante avec les ambassadeurs. L'ambassadeur Will qui nous vient du Bénin pour un programme de consultance. Aujourd'hui, il nous ramène un consultant international et l'ambassadrice Fay qui a fait un tour du côté du Bugada. Et là, on va parler cette fois-ci des droits d'auteur. Tellement de questions, et les questions ont commencé à fuser, allais-je dire, une fois les téléspectateurs ont reçu l'annonce du Bugada qui passera sur ce plateau. Vous êtes nombreux. Alors, un seul numéro de téléphone, c'est celui qui s'affichera au bas de votre petit écran, le 074 55 41 73, pour poser toutes les questions que vous voulez. Et là, c'est sans tabou. Je vais, de ce fait, recevoir les ambassadeurs Fay et Will. Je vais pouvoir faire la traditionnelle réception. Une réception importante par son excellence. Bonsoir, excellence. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien, merci. Ah oui. Bonsoir, excellence. Ah là, tu as mangé blocoto. Il a grossi de l'autre côté là-bas, quoi. Il a mangé blocoto, il a mangé bas. Placali. Donc, j'ai fait un tour au marché d'Antokpa là-bas. Ah, Tokpa. Oui. Ah, très grand marché. D'accord. Mais moi, j'étais à Calavi. Donc, ce soir, on va parler. Comme Africains, parce qu'en réalité, les Africains, il n'y a pas de Togolais, Camerounais, Béninois, il y a pas ça, Gabonais, Ivoiriens, ça n'existe pas. À l'ambassade Buzz en or, il n'existe que des Africains. Oui. C'est ça. Bien, donc, je vais pouvoir vous inviter à vous asseoir. Merci. Et j'espère que là où ambassadrice Fay, vous nous amenez le Bugada. Oui, faut régler nos problèmes. Nous, on n'a pas l'argent ici. On va essayer. Parce que Ok, c'est parti. Donc, ambassadeur, très rapidement avec les news du net, parce qu'il faut qu'on reçoive le consultant. Les news du net. Ambassadeur, oui. Bien, merci, Excellence. Nous parlons des news du net. Et au niveau des news du net, aujourd'hui, c'est un fait divers. Très bien. Un fait divers qui se déroule du côté de Mandji Ndolou, dans la province de Langonier. Vous aussi. Il dit un fait divers. Je dis très bien. Vous ne me posez pas la question. Comment très bien, alors que c'est un fait divers? Non. Si, ça. Si. Voilà. Et on va dire que le fait divers, il est triste. Mmh. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'une foudre pendant... pendant la pluie. La pluie du samedi 3 décembre 2022, au niveau de cette ville, là, il y avait une pluie torrentielle. Et là, il y a eu, on va dire, cette foudre-là qui a frappé. Et malheureusement, nous avons assisté à une victime, c'est-à-dire un décès d'un jeune homme de pratiquement 20 ans. Et on le dit, hein, comme voilà. Je l'ai dit la dernière fois, nous ne sommes pas nombreux, mais quand une personne nous laisse, c'est beaucoup. Et voilà, effectivement. Et la deuxième victime, on va dire, de pratiquement 12 ans, se trouve en soins. Mais on va dire que à aujourd'hui, sa vie n'est plus inquiétée. Très bien. Voilà. Il y a une image, une vidéo que nous vous proposons, chers téléspectateurs. Et juste après, nous nous retrouvons pour la suite de notre programme. Tristesse et désolation, vision d'horreur. Le samedi 3 décembre 2022, s'est produit un drame à Sanivi, un quartier populaire de Mandji, le chef-lieu du département de Ndolou, province de Langonier. Un élève de 20 ans, Prince Mangambo Moussavou, inscrit en classe de 3e au lycée de Mandji, a été tué par la foudre. Ce drame est survenu au cours de la pluie diluvienne qui s'est abattue dans la localité cet après-midi-là. Ceux dans la maison au moment des faits, Prince a été foudroyé par la décharge du tonnerre dont les impacts sont encore visibles sur le mur de la maison. C'est après
que ses frères soient rentrés de leur balade, que ces derniers ont trouvé le corps inerte du jeune élève allongé devant la porte arrière de leur domicile. Après la pluie, c'est là où mon petit frère m'appelle au téléphone en disant que la foudre est tombée dans ta maison. Mais l'enfant s'est déjà étalé, il faut faire vite. Je viens d'abord à la maison. Quand j'arrive, je trouve que l'enfant a été foudroyé. C'est la poule inconscient. Et aussitôt, nu plus que ça, déchiqueté, ça, c'est la culotte qui est. On a appelé la voiture, on a pris l'enfant pour l'amener à l'hôpital. Arrivé là-bas, le médecin me fera comprendre que l'enfant est parti. Quand la foudre a tapé, pendant la pluie, j'étais seul. Après la pluie, quand les petits frères sont arrivés, ils ont vu que le grand frère était allé à la cuisine. Ils sont venus nous appeler. Quand on arrive, effectivement, on a trouvé le petit étalé sur le bras comme ça. La culotte nue, complètement nue, plus la culotte déchirée. C'est le même là. Le corps brûlé au niveau du ventre et du thorax, la violence de la décharge n'a pas épargné. Les vêtements du défunt, dont le pantalon s'est retrouvé complètement déchiqueté. Faute de moyens financiers, la dépouille n'a pas pu être transportée dans une maison de pompe funèbre. Prince a été inhumé le lendemain au cimetière municipal. Comme une malédiction dans la ville, ce même jour, un autre cas a été enregistré au quartier Miribi. La victime, un jeune de 12 ans, Claude Maurice Mundadi, élève à l'école publique de Mondji. Il a... Triste réalité. Oui, vraiment triste parce ça que... Ça fait vraiment mal. Oui, très mal. Et il faut dire que l'enfant était certainement seul dans la maison. Et si tout le monde était là, qu'est-ce qui devrait arriver? Certainement, plusieurs personnes devraient être foudroyées Voilà, et puis on aurait certainement compté, au lieu d'un mort, peut-être plusieurs morts ce jour-là. Bien. Voilà, chers téléspectateurs, c'est avec cette image triste que nous vous laissons continuer à réfléchir et à prier, parce que c'est important, prier le Dieu qui a créé l'humanité. Sinon, selon votre croyance, mettez-vous sincèrement. Je vous propose cette fois-ci la question du jour. La question du jour, et vous allez répondre tout au long de l'émission au 074 55 41 73. À la question du jour, en quelle date le président Ali Bongo Ondimba a accédé à la magistrature suprême? Ambassadeur Huil, ambassadrice, c'est ça la question du jour. Bien évidemment, oui. Donc les téléspectateurs peuvent... Déjà commencer à écrire, à répondre. Oui. Voilà, comme au quotidien. Le numéro est affiché. Le numéro est affiché et vous nous revenez dans les quelques temps qui suivent. Et juste après, cette transition qui va nous permettre d'aller cette fois-ci aux astuces. Là-bas, c'est toujours pour la santé. Hein? Comment notre état doit être? Et ça sera avec l'ambassadrice Fay. Donc juste après la transition, la divine... Fée vous retrouve. Daniel depuis Marseille, Besançon sur Téléafrica. C'est l'ambassade qui distribue le visa d'opportunité de communication. Alors, l'ambassade qui distribue les visas d'opportunité, aussi de santé, c'est sûr. Ambassadrice, aujourd'hui, on parle de quoi exactement? Aujourd'hui, nous allons parler de 7 bienfaits du gingembre. Mmh. Déjà, comme on appelle, on dit que le gingembre, c'est une plante qui revient de l'Inde, elle est d'origine d'Inde. Beaucoup, on a tellement consommé ça sans savoir les bienfaits du gingembre. Donc aujourd'hui, nous allons voir les 7 bienfaits du gingembre. Reconnaissons aussi qu'il est connu dans de nombreux pays pour sa valeur culinaire en cuisine et pour plusieurs maux comme les maux de tête, les maux de dents, les maux de dents, des grippes, la grippe justement, la toux. Pour la digestion, bien sûr pour la toux aussi. Donc nous allons voir les 7 bienfaits à travers cette vidéo. Le gingembre est surtout connu pour ses effets aphrodisiaques et sa capacité de stimulant sexuel. Mais cette vertu n'est pas la seule, et de loin. Le gingembre possède en effet plus d'une corde à son arc.
Alors n'hésitez pas à aimer ou partager cette vidéo, merci. 1. Pour la digestion. Le gingembre stimule la sécrétion de bile et permet donc une digestion plus rapide des aliments. Il permet donc de digérer les graisses et est bon pour votre ligne. 2. Contre la fièvre, les états grippaux et les allergies. Le gingembre contient de l'oléorésine constituée de shoagaol et de gingérol, qui sont d'excellents anti-inflammatoires et qui préviennent et luttent contre la fièvre, les états grippaux et les allergies. 3. Soulage les symptômes de l'arthrose. Le gingembre agit comme un analgésique naturel. Il calme les douleurs qui affectent les articulations en cas d'arthrose et traite naturellement la fatigue chronique. 4. Contre le mal de gorge. Anti-inflammatoire, le gingembre sert aussi à traiter les infections et les inflammations de la gorge. 5. Bon pour le cœur. Il aide à prévenir des maladies cardiovasculaires et ce parce qu'il est bon pour la circulation sanguine. Par contre, si vous prenez des médicaments qui fluidifient déjà votre sang, sa consommation peut s'avérer dangereuse. Il faudra consulter votre médecin. 6. Bon pour votre vie sexuelle. C'est ce qui fait sa réputation mais c'est vrai. Le gingembre est aphrodisiaque, il redonne de la force, de l'énergie et de la vitalité. Lorsqu'il est consommé, il crée un afflux de sang dans le corps, ce qui entraîne des bouffées de chaleur et fait monter l'excitation sexuelle. 7. Bon contre les nausées. Plusieurs études ont démontré que le gingembre avait un effet antiémétique. Il aurait la capacité de prévenir ou d'arrêter les nausées et les vomissements. Il peut donc être efficace durant la grossesse. Ok, ça marche. Bien, chers téléspectateurs, c'est Buzz en or. Nous sommes là et juste après ce que nous venons de suivre, nous allons recevoir nos invités, des invités qui sont là, avec qui nous allons échanger sur un certain nombre de choses. Nous avions reçu M. Didzambou la dernière fois ici, pour nous parler d'un très très grand séminaire au niveau de la Chambre de commerce. Et il est là, chose promise. Chose due. L'invité aussi est là, parce que parfois il y a plusieurs personnes qui disent « Oh oui, on vient nous dire des choses » et finalement, jamais on ne voit la personne. Donc, son invité est arrivé, c'est un consultant de calibre. Et on va découvrir avec lui, nous invitons M. Didzambou Didzambou, tête de file. On va applaudir pour le recevoir. Allez, venez, venez, venez. Bonjour. Bonjour, bonjour. Vous pouvez vous asseoir là-bas. Et bonsoir. C'est toujours, on salue toujours d'abord l'excellence. Voilà. Et vous pouvez vous asseoir. Vous avez un micro avec vous, Monsieur Didzambou Didzambou. Bonsoir. Bonsoir à vous, excellence. Et j'espère que vous allez bien. Je suis magnifiquement bien. Alors, la Chambre de commerce, comment ça se passe actuellement? La formation, le séminaire a démarré. Et aujourd'hui, comment ça se passe? Le séminaire a bel et bien démarré lundi comme prévu. Et nous sommes toujours en train de poursuivre notre programme. Nous avons demandé une permission exclusive aux participants de nous permettre de venir avec le formateur, M. Zanou, afin de décliner le programme qui s'est fait et qui va terminer de se faire. Alors, les participants, il y en a quand même? Oui, oui, bien sûr, il y en a. Êtes-vous, c'est vrai qu'on n'est pas au terme de la formation, mais depuis que la formation a commencé, est-ce que vous êtes quand même satisfait de l'évolution? Je suis très, très, très satisfait de la manière dont les choses évoluent. Je suis très satisfait de la formation, du programme et les participants sont également satisfaits. Voilà. Alors, avec vous, vous avez un de vos collaborateurs dans l'organisation. Comment vous, aujourd'hui, vous voyez l'évolution de ce très grand séminaire qui se passe du côté de la Chambre de commerce? Bonsoir d'abord. Bonsoir, Excellence. Mettez le micro. Il s'agit ici d'un grand programme de formation à dimension internationale. Cette formation est axée sur le métier de consultant et pour partager, faire bénéficier aux Gabonais, aux cadres gabonais, quel que soit le métier, quel que soit le secteur d'activité, naturellement aussi des étrangers qui vivent au Gabon, cette opportunité de développement de compétences et de perfectionnement. Nous avons fait venir au Gabon le consultant international, M. Zanou Gérard, qui est là ici présent. Et il a commencé, nous avons commencé donc le séminaire de formation lundi.
et tout se passe très très bien. Il faut dire que moi-même, je suis déjà expert consultant certifié et j'ai suivi cette formation, pas ici au Gabon, mais je suis parti la suivre net à l'étranger, donc en Côte d'Ivoire, et j'ai investi pour mon développement personnel. Le micro, oui. Donc, c'est une bonne occasion, une opportunité que nous invitons tout un chacun à y participer, parce que toutes les occasions ne se présentent pas parfois les mêmes jours. Et donc, c'est ça les champs. Et ce programme va se poursuivre aussi naturellement dans les années à venir, parce que l'objectif aussi n'est pas seulement de former, mais de créer une synergie en mettant en place au Gabon aussi donc, l'association internationale, donc les consultants d'Afrique, et qui ont déjà vu naissance avec les bureaux nationaux au niveau du Burkina, au niveau de la Côte d'Ivoire, au niveau du Bénin. Et par anticipation, est-ce qu'aujourd'hui, c'est encore possible que des citoyens qui nous suivent en ce moment puissent encore s'inscrire, peut-être dès demain, pour en savoir quelque chose, peut-être pas pour un diplôme, mais pour avoir quelques connaissances. Oui, oui, il n'est pas interdit. S'il y a des inscrits, hein, nous avons l'ambition de renouveler, reprogrammer une nouvelle session pour les retardataires. Parce que l'objectif global, c'est vraiment de faire profiter aux uns aux autres vraiment cette formation. On peut être consultant. Consultant a tout un processus d'évolution de carrière. Okay, il y a le consultant junior, le consultant senior, le manager, senior manager, et puis des partenaires. Mais dans la mission, dans l'évolution du métier de consultant, il y a une différence entre un expert et un consultant. Le consultant est basé sur un processus, alors que le manager ou encore l'expert, lui, il est basé sur le contenu. Okay? Et lorsqu'on appelle, par exemple, on fait des appels d'offres, des avis à candidature pour recruter des consultants, en fait, ce qui peut faire la différence parfois aussi, c'est quoi? C'est ce petit bout de papier, okay, qui vient confirmer votre expertise, votre compétence, voilà. Vos compétences donc dans un domaine et dans la conduite d'un processus. Très bien. Voilà. Ça fait plaisir sur le plateau de voir un expert gabonais également à côté d'un frère africain développer un certain nombre de choses. Et là, nous allons recevoir monsieur, permettez que je revienne, monsieur Zanou. Voilà, monsieur Gérard Zanou, bonsoir et bienvenue à l'ambassade Beuze en Or. C'est l'ambassade qui distribue les visas de communication exceptionnels pour l'Afrique et le monde entier. Voilà, donc soyez la bienvenue. Merci, monsieur Walter. Ici, c'est Excellence. Excellence Walter. Très bien. Merci. Seule Excellence nommée par l'or. Super. Alors, j'espère que vous allez bien et que votre séjour au Gabon se passe très bien. Je vais très bien par la grâce du Seigneur et tout se passe merveilleusement bien. Je rends grâce au Seigneur. Vous avez visité un petit coin à Libreville? Pas encore. En tout cas, j'espère que... Avant de partir. Bon, voilà, je l'espère vivement. Très bien. Nous parlons aujourd'hui de la consultance, le métier de consultant. Et on constate également qu'il y a plusieurs choses dans la commercialisation, dans le marketing, dans la communication au niveau de ce grand métier que beaucoup aujourd'hui pensent ne pas être noble. Ben, merci beaucoup, monsieur Walter. Enfin, son Excellence. Très bien, ça va venir. Walter, voilà. Et je tiens également à saluer les ambassadrices, c'est bien ça. Hein? Très bien. Les ambassadrices et les ambassadeurs, en oui, fait. Oui, oui, c'est ça. Voilà, tout à fait. Ben, permettez-moi de dire tout d'abord merci à Dieu, Tout-Puissant, lui qui est le maître des temps des circonstances, lui qui dispose tout, qui a fait qu'on est ici ce soir à parler donc du consulting. Merci également, permettez que je le dise, à mes partenaires, n'est-ce pas, monsieur Patrick Juvet, des arbours extraordinaires comme nous, hein? Et monsieur Jean de Dieu Samba, c'est bien ça, voilà, qui certainement ont fait un travail de leadership et qui ont mobilisé, n'est-ce pas, les participants pour qu'enfin ce rendez-vous puisse avoir lieu. Franchement, toute ma reconnaissance à leur endroit. D'abord, je reconnais que j'étais un peu surpris, n'est-ce pas, de trouver des participants de niveau vraiment assez intéressant. Je n'ai pas imaginé donc de trouver certaines têtes
n'est-ce pas, prendre part à ce rendez-vous qui, pour moi, franchement, est très intéressant. Et normalement, un Gabonais étant informé de cette opportunité, justement, doit tout mettre en œuvre pour être à ce rendez-vous-là. Et c'est ce que nous avons constaté, en fait. Donc, on a commencé, comme ils ont dit, depuis le lundi. Et nous sommes aujourd'hui le jeudi. On va finir demain. Et donc, c'était l'opportunité pour nous, justement, d'expliquer, n'est-ce pas, aux Gabonais ce que c'est le métier de consultant. Pour éviter, n'est-ce pas, que la confusion continue d'être nourrie. Parce que beaucoup font la confusion justement en la matière, à confondre le consultant et l'expert. Alors, on a échangé avec eux, et pour revenir donc à votre question, vous savez, une chose est de devenir consultant, justement, mais l'autre chose est de savoir se vendre. Et là, c'est là où le défi se positionne. C'est tout un challenge d'arriver à se vendre véritablement. Et j'ai le coutume de dire que vous n'avez pas besoin d'être un psychologue, enfin, vous n'avez pas besoin d'être un expert en marketing pour savoir vous vendre. Que même un psychologue, un sociologue, n'est-ce pas, à qui on explique la démarche marketing, justement, comment arriver à vendre ses services, pourra facilement se positionner, commencer par se vendre sur le terrain. Vous voyez ? Donc, c'est toute une approche marketing. C'est toute une démarche marketing. Il est important, même au-delà de quelqu'un qui opère dans la prestation intellectuelle, mais qui quand même veut apprendre à vendre un produit matériel, n'est-ce pas ? Un produit matériel. Lorsqu'il vient et qu'on le prend dans le dispositif, on le prend donc dans ce renforcement de capacité, on parviendra véritablement à lui donner tout ce qu'il faut, n'est-ce pas, pour lui permettre véritablement de commencer par se positionner et arriver à faire connaître son produit. Voilà. Alors, on va parler de la stratégie commerciale. On va avoir une image, si elle est prête. On va parler des 5 points de la stratégie commerciale. Parlez-nous alors des 5 points de la stratégie commerciale. Voilà. Voilà, on l'a. Voilà. Avant donc de parler de la stratégie commerciale, justement, il est important que... Et je fais beaucoup plus allusion à ceux qui sont dans la prestation intellectuelle, donc les consultants. Voilà. Parce qu'en fait, le métier de consultant est beaucoup plus indiqué pour ceux qui ont un diplôme, un savoir, une connaissance à valoriser. Voilà. Donc, il faut le comprendre. Et donc, il faut que chaque consultant puisse se poser la question de savoir quelle est ma valeur ajoutée. Quelle est ma valeur ajoutée? Et lorsque je me pose la question de savoir quelle est ma valeur ajoutée, eh bien, je m'apprête donc à répondre à 2 sous-questions. La première sous-question, c'est... Qu'est-ce qu'il y a sur le marché? Qu'est-ce que mes concurrents font sur le marché? Qu'est-ce qu'ils proposent? Et donc, lorsque je m'évertue à trouver la réponse à cette question, finalement, je vais me poser la question de savoir qu'est-ce que je propose de différent. Donc, les 2 questions réunies donnent ce que nous appelons ma valeur ajoutée. Lorsque j'arrive donc à identifier ma valeur ajoutée, finalement, eh bien, je vais me poser la question de savoir quelle sera ma stratégie commerciale. Très bien. Donc, lorsque je me pose cette question, eh bien, il y a une première question qui se positionne. Où sont mes futurs clients? Où seront mes futurs clients? Donc, ma stratégie commerciale doit pouvoir me permettre d'aller chercher mes futurs clients. Voyez, on a beau devenir consultant, n'est-ce pas? Mais il est important pour nous, justement, de savoir aller démarcher, de savoir aller jusqu'où je peux trouver des marchés. Je peux trouver ces personnes, ces entreprises, ces administrations, ces institutions et pourquoi pas l'État qui pourrait être intéressé à ce que j'ai comme prestation à lui proposer. Donc, stratégiquement, je dois pouvoir mettre en place une démarche qui me permettra finalement d'aller vers ces personnes et de les transformer. Donc, où se trouvent mes futurs clients? Ma stratégie commerciale doit pouvoir me permettre de répondre à cette question. Ensuite, mon fichier prospect. Je dois pouvoir, même si au-delà d'être un consultant, même si je suis une entreprise opérant dans les vendant des produits matériels, n'est-ce pas, des produits tangibles, je dois pouvoir avoir une base de données de clients, n'est-ce pas, au-delà même d'avoir une base de données de prospects, des personnes susceptibles de consommer mon produit. Donc, constituer cette base de données-là, et comment est-ce que je peux y arriver? C'est donc lorsque je rencontre quelqu'un en cours de route, par exemple, et que je lui présente mon activité et qu'il manifeste un petit intérêt. Eh bien, il devient comme ça un prospect, je prends ses adresses et je saisis, n'est-ce pas? Lorsque je vais à un événement et que je rencontre des personnes, et je dois faire en sorte que chaque fois que je me retrouve dans un événement, je dois prendre la parole pour présenter, non seulement me présenter, mais présenter un peu ce que je fais, alors, pour donner l'opportunité aux gens de savoir. Voilà. Dans la stratégie commerciale, vous parlez du top 10. Oui. De quoi s'agit-il? Alors, le top 10, c'est...
Ces 10 entreprises, par exemple, c'est des organisations avec lesquelles je rêve de travailler. Quand on dit top 10, c'est une référence. Ça peut être top 5, comme ça peut être top 7. C'est à moi d'identifier, donc, dans mon environnement, n'est-ce pas, 5 entreprises ou 10 entreprises, 10 organisations avec lesquelles je rêve de travailler. Et à partir du moment où je parviens donc à identifier ces organisations, derrière, je mettrai en place une démarche, n'est-ce pas, des approches marketing qui me permettront de les approcher finalement, de leur présenter ce que je sais faire, mais dans l'objectif de satisfaire un besoin préalablement que j'ai identifié et par rapport auquel j'ai pu bâtir, n'est-ce pas, une approche de solution, une démarche, un process qui permettra certainement de pouvoir les satisfaire. Donc, c'est 10 entreprises, 10 organisations avec lesquelles je rêve travailler. Les entreprises peuvent se retrouver dans mon environnement immédiat, comme un peu partout, de qui me revient de prendre les actions prospectives nécessaires pour les contacter justement, et donc à partir des besoins que j'aurais identifiés au niveau de ces organisations, mettre en place un process pour les aider à les satisfaire. Donc voilà. En principe, quand on vous écoute un peu développer, on a comme l'impression que le travail de consultant et celui de marketeur, c'est-à-dire le marketing ou bien de commercial, se retrouve forcément quelque part. Apparemment, il n'y a pas trop de différence entre marketeur et consultant. Oui, le consultant, à la base, est un marketeur, mais sauf que ici, nous vendons un produit qui n'existe pas. Nous vendons un produit qui n'existe pas, nous vendons des produits immatériels. Du coup, les prospects sont un peu méfiants, n'est-ce pas, parce qu'ils n'ont pas la possibilité de mesurer le résultat qu'on peut leur générer avant d'acheter le produit. C'est bien des mois après avoir acheté le produit qu'ils mesurent. Donc, ils sont donc méfiants. Alors, il y a une approche marketing totalement différente, n'est-ce pas, de celle que ceux qui vendent des produits tangibles utilisent. Sauf que, bon, on a tendance donc à les confondre. Lorsque celui qui se retrouve à vendre la prestation intellectuelle arrive véritablement à pénétrer le marché, à avoir du résultat, c'est qu'il est capable finalement de vendre un produit tangible qu'on va lui remettre. Donc, il y a une sorte de ressemblance, n'est-ce pas, une sorte de possibilité pour celui qui vend du produit tangible de vouloir faire développer un process marketing pouvoir l'amener à vendre de la prestation intellectuelle. Sauf que si on ne le prend pas dans un renforcement pour lui donner la capacité réelle, l'approche réelle, lui expliquer que celui qui fait de la prestation est beaucoup plus avancé en termes de marketing, en termes d'approche marketing que celui qui vend un produit tangible, il va se retrouver sur un terrain où il sera confronté donc à beaucoup de difficultés et finalement il va rebrousser chemin. Alors, pour dire que même si les deux font du marketing, celui qui vend de la prestation est beaucoup plus outillé, n'est-ce pas, et affiné sur des approches un peu plus différentes que l'autre ne maîtrise pas forcément. Monsieur Zandou, très bien. On va rapidement aller au bout du tunnel de notre entretien de ce soir parce que vous êtes attendu. Un téléspectateur dit bonsoir Buzz en or. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Buzz en or. Bonsoir. C'est la tradition. Hein, quand les téléspectateurs ici, c'est ce que le téléspectateur dit qu'on doit faire. Bonsoir, Buzz en or. Bonsoir. Voilà. Juste pour savoir si l'émission Buzz en or est en direct ou c'est en rediffusé. C'est en direct. Je voudrais savoir, poser la question au consultant. L'entreprise dans laquelle je suis, ça fait sept ans qu'elle n'a jamais pu faire un chiffre d'affaires au-delà de 20 millions. Ça veut dire que c'est sûr que ça doit être une entreprise qui a des grosses productions, mais apparemment, il n'y a pas de revenus. Donc, en fait, il demande une solution. Certainement, une petite solution en 30 secondes. Voilà. Son objectif, évidemment, c'est donc d'aller au-delà de 20 millions, oui, si je comprends bien. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? C'est déjà de chercher, d'accord, à faire un diagnostic. À faire un diagnostic préliminaire pour savoir qu'est-ce qui ne fonctionne pas, qu'est-ce qui n'a pas marché. Comment est-ce que ces produits sont acceptés sur le terrain? Est-ce qu'il y a des reproches qui sont faits par rapport à ces produits et qui nécessitent, n'est-ce pas, des actions correctives? Est-ce que
il dispose d'une équipe commerciale assez compétitive, assez compétente, qui véritablement comprend les enjeux, les attentes réelles du client. Parce qu'une chose est de mettre un produit sur le marché, mais une chose également est de recevoir, est d'avoir le retour du client pour savoir s'il est satisfait ou pas. Parce qu'un client satisfait est égal à deux autres gagnés. Parce que ça fonctionne entre c'est de bouche à oreille, en fait. Donc, c'est déjà de savoir est-ce que ces produits répondent véritablement aux normes de qualité. Est-ce que ceux qui consomment ces produits, il a pu mettre en place un dispositif pour avoir le retour d'expérience. Est-ce qu'il y a des reproches qui sont faits? Maintenant, au-delà, qu'il cherche aussi à renforcer l'équipe commerciale. Qu'il cherche à renforcer l'équipe commerciale pour la doper beaucoup plus sur des pratiques nouvelles de marketing, des approches. Il assigne un résultat, un objectif à chaque membre de l'équipe et faire en sorte qu'au bout du rouleau, qu'il soit capable de mesurer ça. Parce que lorsque vous savez qu'on attend de bons résultats, eh bien, vous vous mobilisez. Vous vous donnez les moyens pour produire les résultats. Parce que justement, si l'entreprise ne vend pas, comment est-ce qu'elle pourra vous payer à la fin? Très bien. Voilà. Monsieur Zanou, alors qu'est-ce qu'on peut retenir aujourd'hui de cette formation qui est faite au Gabon? Et ça sera votre mot de la fin. Merci beaucoup. C'était un rendez-vous qu'il fallait tenir et nous avons tenu le rendez-vous. Demain, par exemple, précisément, on aborde la démarche en bonne et due forme du consultant, l'approche méthodologique. Et c'est ça qui fait la différence en réalité. Alors, je voudrais profiter donc de votre temps, justement. En 30 secondes, parce que nous avons d'autres invités. Pour dire aux invités aux Gabonais qu'ils ont la meilleure opportunité d'exercer un métier d'avenir, un métier vraiment qui nourrit son homme, un métier franchement très intéressant. Et lorsque vous avez un savoir-faire, une connaissance à valoriser, c'est le métier le plus indiqué par excellence qui vous permet véritablement de vous vendre. Donc, nous sommes là. C'est vrai que la première édition de la formation finit demain, mais il y a certaines personnes qui ont manifesté le désir ardent qu'on reste sur place et qu'on organise la deuxième édition qui aura lieu certainement dans deux semaines. D'accord. Parce qu'elles ont eu les retours de ce que la formation a été de bonne qualité, mais que le contenu qu'on a partagé avec eux est une première en Afrique. Parce que beaucoup parlent de consulting en réalité, mais ne maîtrisent pas les tenants, les aboutissants. D'accord? Ils ne savent pas qu'il y a un process qu'il faut maîtriser. Parce que le consultant, c'est celui qui s'est bâti un process qui finalement aboutit à la satisfaction des enjeux de performance des organisations. Donc, vous convenez avec moi que le tout n'est pas d'avoir une compétence, un savoir-faire, n'est-ce pas? Mais il est beaucoup plus question, au-delà donc, de l'expertise, de disposer d'un processus qualité que beaucoup d'Africains ne maîtrisent pas, justement. Et donc, demain, par exemple, pour celui qui souhaite en griffe rentrer toujours dans le processus, peut venir donc à la clôture de demain, puisque c'est demain qu'on va aborder la démarche. Et vous allez donner les diplômes. Évidemment, il y a un certificat. Alors, M. Dinzambou, votre mot de fin. Comme d'habitude, je dirais aux Gabonais d'être les acteurs, les véritables acteurs du changement qu'ils veulent, qu'ils prennent leur vie en main. Et vivement, je leur souhaite, je leur exhorte à suivre cette formation. Merci. Voilà, chers téléspectateurs, c'était nos consultants internationaux que nous avions reçus. La formation continue ce soir et prend fin demain à la remise des diplômes pour être consultant international pour un réseau africain important. Donc, il n'est pas tard. Vous avez la possibilité d'aller ce soir, c'est jusqu'à 20h, à la Chambre de commerce et demain également prendre contact avec les organisateurs de ce grand séminaire, sinon de cette grande conférence. Voilà, donc juste après ce qui précède, chers téléspectateurs, nous allons recevoir notre second invité et un invité que vous attendez. Chaque saison, l'avenir alimente la fièvre des espoirs. L'amour sentinelle s'invite et nous tient. Le futur n'est pas loin, le futur est à nous. L'amour nous parle, le bonheur s'impose à chaque pas. L'espoir nous cherche, il montre le chemin à l'avenir voir. Nous a...
l'histoire, la force à nos efforts, pour voir la vie éclore. Le futur c'est de l'or, le futur est à nous. Voilà, le futur est à nous. Dans Beuz en or, il y a toujours des très bonnes choses, ambassadeur. Donc, chers téléspectateurs, nous allons bien évidemment recevoir nos seconds invités, des invités de taille que vous attendez. Je vais devoir les recevoir comme notre tradition le veut et nous allons applaudir, évidemment. Ah, vous voulez déjà vous lever? Non, levez-vous, c'est pas grave, c'est bon. Allez, je sais que vous étiez déjà là. Donc, nous allons recevoir le président du conseil d'administration par intérim du Bugada et le directeur général du Bugada. Soyez la bienvenue, messieurs. C'est à vous. Voilà. Bonsoir. Bonsoir. Vous, l'ambassadrice, bonsoir. Fait... Et lui, c'est l'ambassadeur, elle, vous la connaissez, on s'est vu la dernière fois. DG, ambassadeur, huile, ambassadrice, fée et ambassadeur huile. Bonsoir, monsieur l'ambassadeur. Bien. C'est l'honneur pour vous, pour nous, de vous recevoir ce soir, monsieur le président du conseil d'administration du Bugada et monsieur le directeur général, pour parler des questions... on va dire des questions brûlantes avec les artistes qui ont commencé d'ailleurs à réagir lorsque l'annonce a été faite dans nos réseaux de communication pour annoncer que vous allez être là ce soir. Et rassurez-vous qu'ils sont nombreux ce soir à vous écouter, sinon à vous suivre et en tirer des choses pour... peut-être rebondir plus tard. Donc, on va commencer par le président et venir par le DG. Bonsoir, président. Bonsoir. Bonsoir, ambassadeur. Non, voilà. Ah, voilà. En fait, eux, ce sont les ambassadeurs. Moi, je suis l'excellence. Seule okay. Excellence nommée par l'or, vous le savez. Très bien. Donc, on vous connaît également plus sur la casquette de cet ingénieur en son, peut-être pour faire un break. Ben oui, je suis également auteur-compositeur, oui. Avec plusieurs cordes à mon arc. Mais là, j'ai eu le privilège d'être choisi par mes pairs pour assurer l'intérim du président du conseil d'administration du Bugada, actuellement empêché. Très bien. Monsieur le directeur général, bonsoir. Bonsoir, Excellence. Et soyez la bienvenue à l'ambassade Beuz en or. C'est l'ambassade qui donne l'opportunité de communication. C'est vraiment ici, c'est exceptionnel. Ben, je me sens déjà un lieu exceptionnel. Alors, on va parler aujourd'hui de la suite de la réunion qu'il y a eu la dernière fois. Donc, peut-être faire le point en deux minutes. C'est vrai que faire un point d'une réunion qui a eu plus de 4 heures de temps, mais c'est juste pour prendre les points essentiels afin que les téléspectateurs et les artistes, pas seulement les artistes, la nation gabonaise qui entend aussi parler des droits d'auteur, droits d'auteur, droits d'auteur, peut-être s'allie d'un œil, récupéré d'une autre oreille. On voudrait savoir exactement... C'était quoi le contenu de cette réunion dernièrement? Bien, merci de nous donner l'opportunité d'en parler. Mmh. La réunion que nous avons eue dernièrement avec les organismes de radiodiffusion et de télévision avait pour objet de les sensibiliser sur la question du droit d'auteur. Les amener à comprendre qu'en tant qu'organisme de radiodiffusion et de télévision, mmh. ils sont avant tout des membres de droit du Bureau gabonais droit d'auteur parce qu'ils sont créateurs des œuvres de l'esprit au même titre
que les auteurs-compositeurs, les architectes, les peintres, etc. Et par ailleurs, en tant que diffuseurs d'œuvres de l'esprit, ils ont également une responsabilité, c'est celle d'obtenir du Bugada une autorisation préalable avant de diffuser les œuvres de l'esprit. Et cette autorisation est remise par, s'obtient auprès du Bugada. C'est une autorisation qui sert de licence d'exploitation, et cette licence donc donne lieu au paiement d'une redevance fixée par les textes en vigueur. Ces textes, c'est le décret 00453 de mai 2006. Alors, il se trouve que beaucoup de chaînes de radio et de télévision ne se sont pas souvent bien imprégnées de la chose, au point où ils ne s'acquittent pas de cette redevance. Cependant, ils exploitent des œuvres et en ce moment-là, ils sont en train de faire de l'utilisation illicite des œuvres, ce qui pourrait, n'est-ce pas, apparaître comme une infraction à la loi et passible donc de poursuites judiciaires. On a donc voulu nous entretenir avec les responsables des médias pour attirer leur attention sur ce fait, afin de les amener à s'aligner sur ce que prévoit la loi et d'éviter d'avoir avec le Bugada des tiraillements. Ensuite, il fallait également rappeler aux médias oui, l'intérêt pour eux de tenir des formulaires de relevé de programme. Ces formulaires permettent donc au Bugada d'avoir une idée des œuvres qui sont diffusées dans les différentes chaînes de radio et de télévision, qui sont exploitées et diffusées, de manière à ce que, au moment de la répartition des droits d'auteur tant réclamés, que cette répartition soit faite en fonction du temps d'utilisation des œuvres de chacun, ce qui se fait un peu partout et c'est ce que prévoit le texte. C'est donc pour ces deux raisons que l'on a sollicité cette rencontre avec les organismes de radiodiffusion et de télévision. Nous espérons que le message a été bien entendu et que d'ici là, des réactions suivront et que monsieur le directeur général ne sera pas obligé d'ester en justice. Très bien. Un point très brûlant. Monsieur le directeur général, on va aller. Ici, c'est franc. Hein. Mais tout à fait. Bon. Hein, vous êtes d'accord avec moi? Je n'ai jamais été favorable à la langue de bois. OK. Vous avez une caméra en face de vous. Mm-hmm. Vous avez votre main droite. Vous allez la lever. Et vous allez répéter devant tous les téléspectateurs et le monde entier qui vous suit, je jure de dire toute la vérité et rien que la vérité. Si vous dites vérité, c'est qu'il y a un problème chez vous. Donc, je jure de dire toute la vérité et rien que la vérité. On vous écoute. Non, vous n'avez pas encore parlé. Ça, c'est moi qui... Ben, je jure de dire toute la vérité et rien que la vérité. Très bien. Parlez-nous du problème brûlant qu'il y a entre vous et les artistes. Qu'est-ce qui se passe au juste? Pourquoi, venez de le dire, le PCA, vous êtes traîné par les artistes, sinon, oui, par cette corporation qui pense que vous avez détourné des fonds? Alors, c'est un vieux sujet. Je vous remercie de me donner l'opportunité de parler de ces questions qui sont extrêmement sensibles à tous les niveaux de la République, pas seulement les auteurs, mais les utilisateurs, dont les usagers des œuvres de l'esprit, n'aimeraient pas entendre que les fonds qu'ils versent au titre des droits d'auteur sont détournés
par une tierce personne, puisque dans notre jargon et dans nos principes de travail, lorsqu'on perçoit, pour parler de recouvrement, comme disent les gens du secteur des impôts, nous faisons de la perception, la répartition doit suivre. Dès qu'on perçoit des fonds au titre des droits d'auteur, on doit pouvoir les répartir aux ayants droit. Les détourner entre-temps est vraiment un délit extrêmement grave, puisque les auteurs sont titulaires de droits et donc ont nécessairement le droit de bénéficier de ces royalties-là. Alors, moi j'ai été traîné devant les tribunaux, je suis traîné dans les réseaux sociaux chaque matin, chaque soir, chaque jour que le Seigneur a fait. Vous voyez bien que je ne réponds pas parce que, premièrement, je crois que c'est une question de communication, d'abord. Deuxièmement, c'est une question de niveau de communication, donc de niveau de compréhension de la matière qui nous concerne. Alors, je pense que si nous n'avons pas suffisamment communiqué, nous devons continuer de le faire. Par contre, j'invite les artistes, principalement eux, les auteurs des œuvres de l'esprit, à venir lorsque nous proposons justement une plateforme de communication pour expliquer, pour sensibiliser, pour donner la bonne information afin que nous soyons au même niveau d'information. Vous verrez qu'un certain niveau, un certain calibre d'auteur ne parle pas. Ici, tout le monde est auteur, mais tout le monde ne peut pas percevoir les droits. Cette incompréhension-là vient du fait que les artistes ont imaginé à un moment donné que les milliards qui sont comptés dans les textes constituent la réalité facile. Et qu'on a mis en place une caisse, chacun doit venir toucher à son tour en faisant la colonne indienne. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit, comme a dit le président tantôt, que la répartition est un acte réglementaire, conventionnel, qui doit permettre à ce que, au prorata temporis, des écoutes ou de la diffusion de vos œuvres, vous soyez payés à juste titre. Pour un éclairci, voilà. Avant que nous ne puissions rentrer dans le vif du sujet des droits d'auteur, monsieur le directeur général, quelle est l'issue, pour qu'on ferme la parenthèse définitivement, quelle est l'issue de ces poursuites à ce jour? En ce qui me concerne, j'ai gagné le procès. Premièrement, les preuves sont là. Le secteur de la télécommunication, des télécommunications, comme le directeur général, ont été traduits devant les tribunaux. Les parties plaignantes ont été totalement incapables de prouver que le directeur général du Bugada avait détourné, a eu de l'argent, a eu des fonds de ce secteur-là. Et puisque ce secteur était représenté par leurs avocats, aucune preuve n'a fusé, premièrement. Deuxièmement, nous relevons du secteur de la comptabilité publique. La partie qui défendait justement la direction générale a donc levé ce qu'on appelle une exception d'incompétence du juge civil sur un agent public de l'État, relevant de la comptabilité publique. En réalité, on ne devait pas me traîner devant le tribunal civil. On devait me traîner devant la Cour des comptes, qui reçoit d'ailleurs tous nos rapports. Évidemment. Et donc, ça peut être très facile de prouver que nous avons les rapports du Bugada. Rien ne s'y fait. Donc, nous avons gagné le procès. Je n'ai pas voulu tourner le couteau dans la plaie pour crier à lui et à Dia sur tous les toits que je suis gagnant, parce que, comme je le disais, il y a beaucoup d'incompréhension et beaucoup d'ignorance. Il faut donc essayer de faire l'effort de communiquer encore. Bien, voilà, monsieur le directeur général, je voudrais savoir qui doit en principe
avoir les droits d'auteur au niveau du Gabon? Qui est habilité à percevoir les droits d'auteur? Alors, qui est habilité à percevoir? C'est une question vraiment pertinente. J'espère que 90%, sinon 150% d'auteurs nous suivent en ce moment. Ils nous suivent, vraiment. Qui doit percevoir les droits d'auteur? Oui. C'est tout auteur d'œuvre de l'esprit qui se lève un beau matin en tant que titulaire de droit et qui vient s'inscrire, déclarer ses œuvres au sein du Bugada, pour l'exemple du Gabon. D'accord. Donc, auprès d'un organisme de gestion collective. Il faut qu'il fasse cette démarche, parce qu'il est titulaire de droit. D'accord. Pour avoir créé des œuvres. Lui-même, il peut les gérer. C'est ça le principe. Mais puisqu'il n'a pas la compétence de le faire et les dispositions nécessaires pour le faire, il doit venir les confier sur la base d'un contrat de cession à un bureau de droit d'auteur qui va le faire. C'est d'abord ce qu'il faut remplir comme condition. Mais à ce moment-là, est-ce que tout le monde l'a fait? Non. Est-ce que tous ceux qui sont inscrits au Bugada peuvent donc percevoir les droits parce qu'ils se sont fait inscrire? Pas du tout. Mais, DG, je voudrais savoir, est-ce que pour s'inscrire au Bugada, c'est moyennant quelque chose? Ou bien c'est gratuitement que les artistes doivent le faire? Ou bien il y a une caution qu'il faudra payer? Et le Bugada l'a fait gratuitement dès le début. D'accord. Jusqu'à ce que le conseil d'administration du 3 mai, je crois, 2016, ait décidé. Comme ça, cela se fait partout dans le monde, qu'il faut quand même un minimum de participation pour s'inscrire. Vous savez, on s'inscrit pour la vie. Hein. On s'inscrit pour la vie et pour un travail extrêmement pointu, important. Donc, le conseil d'administration a décidé qu'une somme vraiment forfaitaire et, on va dire, pas très importante de 20 000 francs, va être déposé. Et je vous dis, ça a été remis en cause. Parce qu'ailleurs, c'est des montants assez importants. D'accord. Mais peu importe. Donc, on l'a fait jusqu'en 2016 gratuitement. Mais même pendant cette période-là, il n'y a pas eu beaucoup d'engouement. C'est peut-être un manque de communication, comme vous l'avez dit dès le départ. Nous communiquons. Nous pensons que le déficit de communication, c'est peut-être parce que ceux qui sont concernés n'écoutent pas. D'accord. Ils ne viennent pas aux invitations. Est-ce que vous pensez aujourd'hui, Monsieur le Président, que les artistes se sentent vraiment concernés par la question des droits d'auteur? Et sinon, pourquoi les artistes ne s'y mettent pas pour vous accompagner? Bien, ils sont concernés, sinon on n'enregistrerait pas autant de plaintes. Ils sont concernés, sauf qu'ils ne sont concernés que par la répartition, c'est-à-dire recevoir. Oui. Et ils ne s'intéressent pas au processus de gestion du droit d'auteur, au fonctionnement même de la structure à laquelle ils ont confié leurs œuvres en gestion. Ils ne s'intéressent pas à ceux qui... à ceux qu'ils doivent connaître en tant qu'ayant droit ou titulaire du droit d'auteur. Être titulaire du droit d'auteur, comme l'a dit Monsieur le Directeur Général, ne veut pas dire que vous êtes autorisé à percevoir quelque chose chaque fin du mois. Cela ne veut pas dire qu'à chaque répartition, vous aurez forcément quelque chose ou le même montant. Mais comment se passe cette répartition et cette collecte? C'est ce que je vous disais tantôt. Il y a des usagers, c'est-à-dire des gens qui exploitent les œuvres de l'esprit. Ces œuvres ont des auteurs. Ces auteurs ont des droits que les usagers doivent respecter. Et parmi ces droits, les droits patrimoniaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous utilisez mon œuvre, vous devez payer
les droits patrimoniaux que j'ai sur cette œuvre. Alors, moi, j'organise une fête à la maison. Oui. Et je mets des baffles à la cour. Comment ça se passe? Est-ce que je dois payer quelque chose? Si vos baffles sont à la cour, ça veut dire que vous faites de la diffusion publique. Ça n'est plus privé. À partir de ce moment-là, eh ben, si les agents du Bugada ont l'information, ils se rapprochent de vous pour que vous payiez les droits des auteurs dont vous allez utiliser les œuvres pendant cette cérémonie. Mais si vous êtes, vous, informé de la procédure, au lieu d'attendre que des agents viennent vous perturber pendant votre fête, vous allez déclarer votre événement au Bugada, qui va vous dire combien vous devez payer. Vous vous acquittez de cette redevance et puis vous organisez votre manifestation tranquillement. Est-ce que c'est le cas? Oui, est-ce que c'est le cas pour un mariage clos? Oui, puisque vous allez avoir des invités. Vos invités représentent un public. Et ce que vous faites sera de la diffusion publique. À partir de ce moment, alors là, puisque vous organisez votre mariage, rapprochez-vous de Bugada pour déclarer votre événement, payer la redevance, une quittance vous est remise, et au cas où des agents du Bugada passeraient par là, vous présentez simplement votre quittance et puis ils circulent. Alors, ambassadrice Fay. Monsieur le président, donc, si, exemple, on va prendre l'exemple des radiodiffuseurs. Aujourd'hui, beaucoup de radios n'écoutent plus la musique gabonaise et pour faire écouter la musique de l'étranger. Donc, si même malgré qu'ils écoutent la musique de l'étranger, ils doivent aussi payer les droits d'auteur parce que c'est de la musique en fait exploitée. Mais bien sûr, puisque le Bugada a compétence sur l'étendue du territoire et a pour mission de protéger les œuvres de l'esprit aussi bien des auteurs locaux que des auteurs étrangers. Mais PCA, quand on regarde un peu comment fonctionnent les choses dans le pays, en principe, on a l'impression qu'il y a beaucoup de fuites de capitaux, d'argent, qui ne rentrent pas au Bugada parce qu'il y a plein de cérémonies qui se passent. Prenons seulement le cas de Libreville, qui se passe un peu à gauche, à droite, mais les gens ne sont jamais allés au Bugada pour le faire. Donc, qu'est-ce que le Bugada fait pour prévoir, encadrer cela? C'est de l'argent qui va ailleurs. Ben, justement, là, vous touchez justement l'un des points faibles du Bugada, c'est que, et l'une des causes de du constat que vous faites, le Bugada a été créé en 2013. Le Bugada créé en 2013, le directeur général est nommé. Il n'a pas de secrétaire, il n'a pas de planton, il n'a pas de gardien, il n'a même pas... Donc, en un mot, il n'a pas de budget. Il n'a pas de bureau. Je vous parle seulement en termes de matériel. C'est en 2014, se battant, qu'il se retrouve logé à l'ancienne case d'écoute de Louis. Et puis, dans ces batailles, il obtient tout de même un bâtiment du côté d'Angondié. Or, le bâtiment qu'il obtient d'Angondié, il l'obtient un peu par la force des choses. Parce qu'en réalité, il ne devrait pas loger le Bugada à Angondié, parce que Angondié est dans une autre commune que Libreville. Mmh. Les textes disent que le Bugada, son siège doit être à Libreville. Donc, mais la situation, puisque contre toute... contre... il y a une expression... Vents et marées. Contre sa volonté, il s'est vu obligé d'aller loger le Bugada là où il a trouvé un local, parce qu'on n'a pas pu lui en trouver à Libreville. Du coup, il s'est retrouvé en porte-à-faux avec les textes. Heureusement qu'il y a eu cet espace de lui qui lui permet au moins de justifier la présence du Bugada à Libreville. Sinon, il serait... en toute illégalité, logé à Kanda. Premier élément. 2013, il n'a pas de budget. 2014, il n'en a pas. C'est en 2015 qu'il obtient la première subvention provenant de l'État qui a créé le Bugada. Et qu'il commence à avoir les premiers agents du ministère affectés au Bugada.
Non formé. Non formé. Et donc, vous voyez un peu comment le Bugada démarre. On a mis plus ou moins la charrue avant le bœuf. On aurait dû commencer par constituer un personnel, le former, trouver où le loger, prévoir un budget conséquent pour le démarrage des activités. Malheureusement, les choses ont été faites à l'envers. Il est donc aujourd'hui impossible pour le Bugada de pouvoir cerner tous les usagers parce qu'il y a un déficit de personnel. Hein. Ensuite, il y a un déficit de moyens, hein, financiers, de moyens de transport. Vous ne prendrez pas, par exemple, une équipe de contrôle, vous la mettez dans un taxi de nuit, sans agent de sécurité, pour qu'il circule dans les boîtes de nuit. Il est sûr qu'un de ces agents pourrait avoir affaire à un turbulent, oui, qui va les envoyer au CHU de Vendo. Hein, parce qu'il aura été violent, il n'aura rien compris. Il faut donc que ces gens soient accompagnés dans leur mission des agents de police. Alors, nous allons aborder un point très important, c'est celle de savoir DG. Quels sont les mécanismes que le Bugada met aujourd'hui pour réussir à sa mission dédiée par l'État? Ah ben, nous ne reculons pas, nous travaillons. Quels sont les mécanismes qui sont mis en place? En ce moment, nous avons opté pour rencontrer les différentes corporations de manière organisée. Nous l'avons fait dernièrement avec vous. Vous avez bien vu que, sauf si vous ne répondez pas, mais ça a bien marché, la réunion. Ça a très bien, oui, bien c'est sûr, bien la passé. Réunion était... Ouais. Nous l'avons fait avec le club de Libreville dernièrement, c'est-à-dire toute la chaîne des hôtels et des troquets, donc des bars de luxe, représentés par quelques-uns qui vont centraliser l'information et distiller dans leur milieu. Voilà les stratégies que nous essayons de mettre en place pour atteindre le plus grand nombre. Mais il est évident que, comme le contenu de l'intervention du président tout à l'heure, il faut que les autorités comprennent que le Bugada a été créé avec le statut d'établissement public à caractère autonome. Ben, c'est le seul établissement public à caractère autonome qui est mal loti, qui ne dispose pas suffisamment de moyens. On pense à la GNAMGES, l'Agence nationale des bourses du Gabon. Nous avons le même statut. Donc, ce statut-là mérite que, par la fameuse formule de la budgétisation par objectif de programme, on vous dit voilà les objectifs que vous devez atteindre et voilà les moyens qu'on vous donne. Vous nous signez un contrat de performance. Donc nous signons jusque-là un contrat qui est justement qui n'a pas de sens. Aujourd'hui, vous avez le pouvoir, voilà, de communiquer. D'accord. C'est vous pour avez cela le pouvoir que... de communiquer exceptionnellement sur Téléafrica. Donc nous invitons justement il faut que la communication que nous demandons, hein, la sensibilisation et la communication, elle va aussi à l'endroit des plus hautes autorités du pays pour comprendre que cet établissement public-là a besoin de moyens qui ont d'ailleurs été promis et que nous attendons pour que, justement, le Bugada, qui est un établissement qui doit s'étendre sur l'étendue du territoire national, ait des représentations dans tous les chefs-lieux de province, ait les moyens humains conséquents, les moyens financiers, les moyens matériels, pour encadrer, pour cerner, justement, le domaine de l'aire de compétence qui est le sien pour justement répondre à la question de l'ambassadeur, de l'ambassadeur tout à l'heure. Alors, ambassadrice. Monsieur le Président, en tant qu'artiste, chanteur, compositeur, quel est le message que vous avez pour vos confrères artistes? Ben, le premier message, c'est qu'il faut qu'ils s'imprègnent du contenu des textes, qu'ils...
qu'ils ne le lisent pas en diagonale, qu'ils le lisent vraiment au fond et qu'ils saisissent ce que ces textes disent. Qu'ils s'intéressent également à ce qui se fait ailleurs pour comprendre que le Gabon ne peut pas être une exception. Il y a eu en 2018 ce que moi j'ai appelé un partage forfaitaire. Des sommes ont été dégagées des recettes du Bugada pour pouvoir repartir à chaque adhérent au Bugada une somme forfaitaire. Ce qu'on avait d'ailleurs appelé les droits d'auteur. Oui, que l'on avait appelé les droits d'auteur. Les critères n'étant pas objectifs parce qu'il s'agissait de l'ancienneté, de l'âge, etc. Or, ce n'est pas des critères objectifs en matière de répartition des droits d'auteur. Les droits d'auteur, le principe, la répartition des droits d'auteur doit répondre au principe très simple de chacun son dû. Et chacun son dû, ça veut dire que si vous et moi, nous sommes auteurs, nous avons créé des œuvres, il faudrait que mes œuvres soient exploitées pour que je puisse bénéficier de ce que Télé Africa pourrait payer au Bugada. Mais si mon œuvre ne passe pas à Télé Africa toute une année, les vôtres passent à Télé Africa, pourquoi devrais-je toucher sur ce que Télé Africa verserait quelque chose? À quoi cela correspondrait, étant donné que Télé Africa n'a jamais utilisé mon œuvre dans aucune de ses émissions tout au long de l'année ou tout au long d'un siècle? Allons-y à l'inverse de la question. Oui. Si c'est l'artiste lui-même qui vient de déposer son œuvre à Télé Africa, quel est le process? Ben, il reste le même, c'est comme si vous l'avez acheté, peu importe. Le fait simplement que vous l'ayez diffusé. Mais nous, Télé Africa ne demande pas à pouvoir diffuser cet artiste. Dès lors que vous avez reçu l'œuvre et que vous avez diffusé l'œuvre, la simple diffusion de l'œuvre, ce qu'on appelle l'exécution publique, donne lieu à une obligation de payer une redevance au Bugada. Voilà un artiste qui pose la question. Bonsoir, Besançon. Bonsoir. Bonsoir. Vous n'avez pas répondu. Bonsoir, Besançon. Bonsoir. La Roma depuis Ovendo. Je suis artiste chanteur. Je me marie. J'utilise ma propre musique dans une salle. Dois-je payer si les contrôleurs passent? Bien, il sera difficile à cet artiste de passer sa soirée à n'utiliser que sa musique. C'est déjà impossible. Ouais. Bon, sauf si évidemment il veut utiliser uniquement sa propre musique lors de son mariage. Même quand c'est sa propre musique, étant donné que s'il est affilié au Bureau gabonais droit d'auteur et qu'il utilise, il diffuse sa propre musique dans une cérémonie de mariage, il doit déclarer cette cérémonie, payer les droits qui lui seront ensuite reversés. C'est sont reversés. Oui, Télé Africa, très suivi à l'intérieur du pays, avec précision. Bonsoir. Fier de suivre votre émission. Je voudrais savoir si le Bugada est représenté à l'intérieur du pays ou bien seulement à Libreville. Merci, DG. Une question pour vous. Oui, je viens de dire que pour des questions justement de trésorerie et de moyens humains, nous n'avons pas encore ouvert des représentations justement à l'intérieur du pays. On devrait le faire, n'est-ce pas? Les militaires disent un homme, lorsqu'on vous donne une mission, il faut qu'on vous donne des moyens humains et qu'on vous donne des moyens matériels. Une mission, un homme, des moyens. Mmh. C'est comme ça que ça doit se passer. Pour le moment, nous n'avons pas encore respecté ce triptyque-là. Alors, ambassadeur Will. Merci, Excellence. DG, je voudrais savoir, nous avons assisté récemment à la nuit du talent. Est-ce que le Bugada a été associé dans l'organisation, puisque vous gérez les artistes? Il y aura... Comment ça s'est passé? Qui sont ceux-là qui ont été récompensés? Alors, c'est une question assez compliquée. Hein. Elle est compliquée parce que
qui a été récompensé, qui n'a pas été récompensé. Je pense qu'il faut d'abord comprendre que c'est le chef de l'État, le président de la République, chef de l'État, qui a décidé personnellement et unilatéralement de récompenser les artistes selon les critères qu'il a définis lui-même avec ses collaborateurs. N'est-ce pas ? D'accord. Il ne s'agit pas d'une interférence sur les droits d'auteur. Il ne s'agit pas des attributions ou des missions dévolues au Bureau gabonais du droit d'auteur et des droits voisins. D'accord. J'ai été invité en tant que directeur général des droits d'auteur pour participer, assister à cette cérémonie. D'accord. Mais vous imaginez, moi je ne suis pas collaborateur direct du chef de l'État. Je ne peux donc pas prétendre à avoir soufflé au président de la République comment il doit répartir les cadeaux qu'il a lui-même définis. D'accord. Pour qui ou pourquoi. Bien sûr. Très bien. Chers téléspectateurs, nous tirons notre entretien. Donc nous sortons petit à petit de cet entretien avec le Bugada, un entretien très riche. Et nous osons espérer que ce n'est pas la dernière fois. Ça commence parce que là, ils sont en train d'appeler. C'est-à-dire, on vous dit que c'est les SMS. Ils ne veulent pas faire les SMS, ils veulent appeler pour parler avec vous. Mais l'émission a un principe, chers téléspectateurs. Très rapidement, nous allons avec eux, ici sur le plateau, souhaiter des joyeux anniversaires à ceux-là qui ont pris un an de plus. Et ambassadrice Fée, joyeux anniversaire à nos amis qui nous suivent à l'instant et qui ont pris un an de plus. On a l'anniversaire, l'anniversaireux aujourd'hui qui est Badinga Bruno qui prend un an de plus et la tigresse. Donc là, c'est Badinga, monsieur Badinga Bruno qui prend un an de plus. Joyeux anniversaire à cet homme qui a pris un an de plus. Que Dieu te bénisse. Après, on a... Et après, on a la tigresse qui prend un an de plus également. Qu'on souhaite joyeux anniversaire. Un joyeux anniversaire, buzz en or. Tout le buzz en or. Voilà, donc c'était la tigresse et nous allons terminer avec le gros plan. Mm-hmm. Le gros plan, c'est une tradition de pouvoir donner un buzz 100% à une personnalité, sinon à un citoyen gabonais. Et cette fois-ci, c'est à Madame Marie-Madeleine Mborantio, qui est la présidente de la Cour constitutionnelle, pour votre détermination et le travail que vous faites à votre poste et dans cette institution. L'institution, l'ambassade Beuz en or, vous donne un Beuz en or 100%. Et j'ai une petite surprise pour notre invité. Parce que là, c'est photo, mais il ne sait pas là où j'ai trouvé cette photo. Alors, monsieur le DG, oui. Vous allez regarder cette photo-là et puis vous allez nous dire, regardez la photo juste derrière, regardez. Et ça vous dit ? Ben oui. Ah, des vieux souvenirs. Ben c'est vraiment quelque chose qui vient de loin, hein. Vous voyez qu'on a fouillé cette photo-là. Internet ne ment pas, c'est dangereux. Non, c'est une photo sortie de la conférence nationale de 1990. J'ai été désigné pour représenter mes collègues à la commission des lois, la commission des textes, qui a mis en place toutes les institutions de la République que vous vivez aujourd'hui, et notamment la Cour constitutionnelle. Très bien. Voilà. Alors, un dernier tour avec nos très grands chers invités de ce soir. On va commencer par le directeur général pour finir par le président du Conseil. Quelle est la dernière manœuvre que vous tentez maintenant de booster pour permettre que la machine démarre ? En quelques secondes. En quelques secondes, il faut comprendre que si les utilisateurs ne payent pas leurs factures,
nous sommes dans l'incapacité de répartir. Si les chaînes de télévision, de radio et de télévision ne nous donnent pas les informations qui nous permettent de définir la tendance justement du taux d'écoute de chaque auteur, nous aurons du mal à avoir les paramètres qui nous permettent de faire de la répartition conventionnelle. Donc c'est un message fort que je lance aux utilisateurs des œuvres de l'esprit. Le dossier est dans les mains de la tutelle aujourd'hui pour dire que quand j'ai gagné le procès, j'avais bien raison de ne pas avoir pris quoi que ce soit. Ce dossier est dans les mains de la tutelle qui négocie avec le secteur des télécommunications pour qu'ils payent leurs factures. Merci. Voilà. C'était le dernier mot du directeur général en 30 secondes, Monsieur le Président. Bien, 30 secondes, je vais essayer. Non, je pense que, comme je vous le disais d'entrée de jeu, les organismes de radiodiffusion et de télévision sont des membres de droit du Bugada. Et en tant que membre du Bugada, ce qu'il serait bon de faire, c'est d'ouvrir les portes de plus en plus au Bugada pour que ces moments-là permettent au Bugada de mieux communiquer, d'informer le public et les usagers de ses activités et surtout de leurs obligations. Nous avons aujourd'hui, on va dire, 9 ans d'existence du Bugada, mais 9 ans de difficultés. Vous avez, en tant que média, intérêt à épauler cette maison qui est aussi la vôtre et de faire en sorte que les usagers ne disent pas qu'ils n'étaient pas informés lorsque le Bugada, qui a du reste est en train de mettre une commission de contrôle en place, passera chez les uns et les autres avec des convocations à comparaître au tribunal, qu'ils n'étaient pas informés. Alors donc, aider le Bugada... À vous aider. Voilà, c'est la coutume. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Vous êtes nombreux à nous suivre. Restez connectés sur Télé Africa pour ces programmes. La suite, c'est avec vous. Bonsoir et que Dieu vous bénisse. On se lève, comme à la coutume, pour se dire au revoir. Merci à la régie. Et merci aux téléspectateurs. Que Dieu vous bénisse encore. Merci.